le beau geste de la famille de Charles Aznavour qui honore sa mémoire. Un bel hommage pour l'artiste disparu. L'émotion est toujours aussi palpable. Deux jours après l'annonce du décès de Charles Aznavour à l'âge de 94 ans, les hommages continuent de s'accumuler dans les médias. Les fans de l'interprète de la Bohème pleurent toujours cet artiste complet aux nombreux succès musicaux. Pour honorer la mémoire de ce géant de la chanson française, un hommage national sera organisé vendredi 5 octobre aux Invalides à Paris en présence d'Emmanuel Macron et des proches du défunt. Une cérémonie importante pour les nombreux fans du chanteur décédé d'un œdème pulmonaire alors qu'il se trouvait dans sa salle de bain au sein de sa demeure de Mouriez dans les Alpes. Si au départ, la famille du chanteur n'était pas favorable à cette cérémonie publique, les proches du chanteur ont finalement accepté cet hommage. Selon les informations avancées par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste sur C8, la famille de Charles Aznavour aurait également prévu de reverser l'intégralité des sommes récoltées à l'association fondée par leur père. Il y a plein de journaux qui s'intéressent aux obsèques de Charles Aznavour, qui veulent des photos, des exclusivités, a-t-il affirmé. La famille a dit, tout l'argent qui sera récolté pour ces photos, on veut le donner à la fondation Charles Aznavour, qui est dirigée par Nicolas Aznavour, qui sert à construire des maisons pour les plus démunis. Artiste engagé, Charles Aznavour avait à cœur d'aider son prochain. Ce n'est donc pas un hasard si le chanteur franco-arménien avait décidé de fonder Aznavour pour l'Arménie au lendemain du tremblement de terre qui avait frappé le nord du pays le 7 décembre 1988. Ce jour-là, des dizaines de milliers de personnes avaient trouvé la mort.